Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors c'est bientôt la rentrée. Il faut se préparer. C'est la préparation de la rentrée scolaire. Alors aujourd'hui les enfants, alors je parle aux élèves de la première année primaire et aussi de la deuxième année primaire seulement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Une séance de communication. Une communication française. C'est une sorte de activité orale. C'est dire bonjour et remercier comme acte de parole ou acte de communication. Dire bonjour, ça veut dire saluer. Et remercier aussi. Allons-y, on va découvrir ensemble l'association de communication aujourd'hui sous forme de dialogue entre maman, papa et Amine. N'oublions pas surtout pourquoi apprendre le français, cette question. Pour répondre, pour parler français avec un ami, pour suivre des dessins animés, et sur la télévision, pour utiliser un jeu. Sur une tablette, par exemple, pour comprendre des émissions en français, en famille, pour lire une histoire en français, eh bien, la comprendre, pour écrire une lettre à un ami en France, pourquoi pas. Et finalement, pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur et avant cela, pour écouter des informations en français. N'oublions pas cette question toujours. On pose souvent, pourquoi apprendre le français? Pour ces situations de communication, soit parler français, soit suivre des dessins animés, bien comprendre, utiliser un jeu sur une tablette et savoir comment faire, comprendre des émissions françaises à la TV et en famille, lire une histoire amusante en français et bien la comprendre. Et faire un résumé aussi, et parler aux autres, pour écrire une lettre à un ami en France, et n'importe où, écouter des informations en français, et bien comprendre aussi, et utiliser des programmes en français sur l'ordinateur. Tout ça, c'est la réponse à cette question, pourquoi apprendre le français? Pourquoi apprendre le français? Alors, les enfants, c'est la préparation de la rentrée scolaire. C'est bientôt la rentrée. Alors voici donc des activités. Alors, observez bien s'il vous plaît ce poster. Alors voici Amine. Voici les parents d'Amine. C'est la maman et c'est papa. Alors qui est-ce? C'est très bien, c'est Amine. Qui est-ce? Oui, c'est bien, c'est le papa d'Amine. Et qui est-ce? C'est la maman d'Amine. C'est très bien. Alors, où sont-ils? Oui, ils sont dans un salon. C'est très bien. Alors, regardez bien ces objets. Qu'est-ce que c'est? C'est un cartable. C'est un joli cartable. C'est un, oui, nouveau cartable. C'est un nouveau cartable, oui. Et aussi, c'est une nouvelle trousse verte. Alors, où sont-ils? Oui, alors, qu'est-ce que c'est? C'est une? Oui, c'est une table. Alors, ils sont sur la table. Alors, Amine se lève le matin. Il découvre des surprises sur la table. Alors, que dit Amine en se levant? Oui, qu'est-ce qu'il va dire à ses parents? Bon, oui, c'est très bien. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Très bien.
Alors, que découvre-t-il sur la table? On a déjà vu ça. Que découvre-t-il sur la table? Oui, c'est bien. C'est un cartable. De quelle couleur? C'est un cartable marron. Et aussi, une trousse. C'est une trousse verte. C'est une nouvelle trousse. C'est un nouveau cartable. Ils sont bien sûr sur la table. Alors, voici donc le dialogue. Maman. Bonjour, Amine. Bonjour, Amine. Amine. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Papa, demain c'est la rentrée. Demain c'est la rentrée. Amine. Oui, papa. J'ai très envie. J'ai très envie d'aller à l'école. Je veux aller à l'école. J'aime bien aller à l'école. J'ai très envie d'aller à l'école. Maman, voici ton nouveau cartable. D'accord? Et voici ta nouvelle trousse. Voici ton nouveau cartable et une trousse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Ça veut dire papa et maman. Maintenant, je suis prêt pour travailler. Je suis prêt pour travailler cette année et avoir de bonnes notes. Bonjour, ami. C'est maman qui parle. Bonjour, ami. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Demain, c'est la rentrée. Oui, papa. J'ai très envie d'aller à l'école. Voici ton nouveau cartable. Et une trousse. Merci beaucoup. Je vous remercie. Maintenant, je suis prêt pour travailler cette année et avoir de bonnes notes. Alors, les enfants, vous avez bien compris le dialogue entre maman et Amine et papa. Alors, Amine se lève le matin et dit bonjour à ses parents, qui sont dans le salon. Alors, ses parents ont acheté quelques affaires scolaires, comme exemple le cartable et une trousse, tout à fait joli. Alors, à la fin, Amine remercie ses parents en disant tout simplement merci beaucoup. Mais dire bonjour, mais comment? Alors, chaque matin, on dit bonjour. Le matin, on dit bonjour. Le soir, on dit bonsoir. Dans quelques instants, on dit salut. Vous avez bien compris le dialogue entre Amine et ses parents. Amine se lève le matin. Il dit à ses parents bonjour avec politesse. Ses parents sont dans le salon. Ils ont déjà acheté quelques affaires scolaires pour Amine. À la fin du dialogue, le garçon remercie ses parents en disant merci beaucoup. Alors, pour remercier quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Merci, merci bien,
Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Pour saluer quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Salut. Et le matin, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Et le soir, bonsoir. C'est très bien. Thank you.